Bonjour à tous et à toutes, je suis ravi de vous retrouver sur la chaîne Guitare pour une interview en plein air sous le beau soleil de Montréal. On était sous la canicule ces derniers jours et là on est presque en train d'avoir froid. Je suis avec the one and only Eric Mongrain, en plein milieu du Carré Saint-Louis. Comment est-ce que ça va, Eric? Ça va bien, merci. Ouais. Est-ce qu'il faut dire Eric Mongrain ou comment il faut prononcer le cas de Eric? Eric. Eric, d'accord. Eric. Bon. Les Américains ont dit Eric, mais qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça, il faut faire avec. Dis-moi Eric, quelle était ta première guitare? Une guitare classique que mon oncle m'avait donnée, ça s'appelait, c'était une Goya. D'accord. Orange fluorescente. Ah wow! Avec une action d'à peu près 20 pouces, c'était... horrible, mais ouais. J'avais rien à comparer, okay. Donc ça me semblait bien. Mais ouais, une Goya, j'ai jamais revu de Goya après. Probablement un type de guitare classique cheapette japonais ou chinois fait en série. Ouais. Mais ouais, c'était définitivement ça. J'ai joué un an avec ça. D'accord. Première année. Est-ce qu'il y a eu... un morceau de guitare, un riff ou qui ont été l'inspiration, qui t'ont donné l'envie de devenir musicien? Nirvana. Ah oui? Ouais. D'accord. C'était un clip de musique MTV, Heart-Shaped Box. Ouais. Je revenais de jouer au hockey dans la rue, comme tous les jeunes de mon âge faisaient, ouais. Ou presque. Puis les musiques, je m'en foutais complètement. C'était pas un intérêt. C'était le sport et les études. Là. J'étais un nerd. Là. J'étais vraiment très nerd et très sportif. Mm-hmm. Puis en dedans de 5 minutes, ça a tout changé. Ah ouais? Je sais pas ce qui s'est passé pendant ce clip, mais ça, c'est la première fois que la musique me parlait directement. Mm-hmm. Puis... j'ai lâché le sport et l'école, c'était plus important. D'accord. C'était la musique, les femmes, la drogue, tout. Là. C'est le gros kit. Ouais, ouais. Puis, un changement radical à 14 ans. Donc, okay. C'est ça. C'est à peu près ça que c'est. En gros, là, okay. En bref, c'est à peu près comme ça que ça s'est produit. Et les étapes marquantes qui ont fait de toi le musicien que tu es aujourd'hui, qu'est-ce que tu as eu comme influence, comme formation, ton parcours? Ben, j'ai pas eu de formation. C'est moi tout seul. Autodidacte, non? Ouais. Il n'y a pas eu de. Il n'y avait pas de YouTube non plus. Hein. Vous avez aimé cet extrait? Abonnez-vous à la chaîne Guitare pour accéder à l'intégralité. Cela vous permettra d'accéder au magazine vidéo qui contient chaque mois plus de 10 nouvelles vidéos avec des interviews, des chroniques, des masterclass et des tests de matériel. L'accès aux vidéos déjà publiées est inclus. L'abonnement vous permettra aussi de dialoguer via la communauté privée pour avoir des échanges de qualité entre passionnés de la guitare et professionnels de la musique.